terme d'une ascension éprouvante, quelque chose me dit que là-haut, mon point de vue sur le monde devrait se voir quelque peu chahuté. Oh la vache. Je peux t'accrocher en face, Laurent. Je sens que je vais adorer. Oh, mon Dieu. Ah, quand même. C'est ça. Je t'avais pas menti, la vue est... Waouh. Alors ? Ben... Déçu ? Non. Ah, d'accord. Je mesure à présent pleinement la chance que j'ai de me retrouver au sommet du pilier le plus haut du monde. Perché à 340 mètres d'altitude, le spectacle est grandiose. C'est le viaduc parfait, à la fois fonctionnel, moderne et beau. Il se déploie les bras tendus entre les deux côtes enfin réconciliées, au-dessus de cette rivière qui les a si longtemps séparés. Et donc, tu sens que ça bouge un peu quand même ? Ça bouge un peu, et oui, là... Ça bouge un petit peu. Hein. Exactement. On est bien, là. Mais on va rester assis quand même, hein. Bon, alors pour tout vous dire, pour quelqu'un, et je l'assume, qui a le vertige, d'être là, c'est en soi vraiment un exploit. Parce qu'on est à combien au-dessus du sol ? On est à 343 mètres. Voilà, mais c'est vraiment une aiguille. Bon, voilà, j'arrive pas à me lever encore. Toi, tu peux, en temps normal, te lever ? Je suis honnête avec toi ? Oui. Non plus. Non plus, d'accord. On est dans la même galère. Donc, on est quand même dans la même galère. Exactement.